Monsieur Travis, j'espère pour vous que c'est une urgence. Vous savez que... Ce serait un honneur, monsieur. Dieu vous bénisse. Couteau dans le front! Pardon. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de tuer une légende. Et c'est pour ça que tu me tueras pas. Part 2 Death Factory. Salut les gens, c'est Raptor. Et on est là pour un nouvel épisode de Hitman Absolution. Et voilà. Ok, on est ressorti de l'ascenseur de l'épisode précédent. On est en zone hostile, mais... Merde, pourquoi ça fait ça à chaque fois? Je dois avoir la touche tab qui bug, je pense. Qui devait bugger un peu, voilà. Ça sera bien mieux. On a quelques petits connards ici. Une... besoin d'une carte d'accès par là. Est-ce qu'on peut entrer ici? Mais oui, on peut. Petite carte d'accès. Est-ce qu'il y a un déguisement par quelque part par là ou quoi? Là, il y a visiblement rien. Ouais. Mais non, c'est dans ta tête, mec. Mais il est fou! Ouais, les mecs, ils vont sortir par là. Salut, mec, ça va? Où est-ce que je peux le planquer? Y'a rien ici. Non, c'est là-bas que je dois aller le planquer. Y'avait pas un truc là? C'était peut-être dans l'autre salle là-bas? Je sais pas. J'avais cru voir un truc. Sérieux, je peux pas le planquer? Mais non. C'est une blague. Putain, je peux pas le planquer. Bon, bah, file-moi ton déguisement. Je vais aller voir ton pote, ça va être rapide. Je te canne ta berce, c'est tout. Boum! Allez hop, ferme ton fesse. Bon, toi, tu veux quoi? D'abord, il y a un petit carnet là. Dossier volé, je sais pas quoi. Ok. Dossier volé récupéré, ok. Faut que je fasse quoi avec lui? Faut que je le canne ou? Accéder au centre de mes couilles. Bon, on va le laisser là, l'autre, du coup. Faut que je fasse quoi là? Voilà. Ouvrir les portes. Non, oh, la porte planquée. C'est des ouf. Ok, on descend. Let's go. Ok, c'est une semi-cinématique. Attends, je peux me déplacer. Ah, ok, je peux juste pas choisir mes flags ou quoi. Ni arranger ma corde de pied là-haut. Ah, cinématique. Tu feras gaffe, mec, il te manque une jambe quand même. Ah oui, je m'en souviens, c'est des gros fils de pute les mecs qui font des tests pour des mines. En fait, ils font des tests avec des porcs. C'est des putains de connards, voilà. Oups, il y avait une mine.
Et ça le fait rire. Toi, tu vas prendre une balle dans le front, mon gars, ça va te faire tout drôle, quoi. Bon, comment je me fais ça? Là, y'a rien. Là, y'a une clé mes couilles. C'est quoi ça? Oh, une carte d'accès, ça je prends. Je prends genre direct. Mais non, pas l'autre derrière, lui. C'est quoi ce... Mais non. Va vérifier, voilà, ouais, je vais déglinguer Tordalus. Pendant que ton pote est occupé, hop, salut, ça va, comment vas-tu? Il y a un truc pour te cacher juste derrière, c'est magnifique. Voilà, je récupère mon petit leurre pour faire diversion. Oh, c'est encore un sniper? Non, oh, putain, je suis déçu. Je suis tellement déçu. Ok, on a quoi d'autre par là? Pas grand chose. Y'a un mec qui vient là ou j'ai rêvé? Ah ouais. C'est une carte d'accès ça ou? Oui, je prends. Ok, c'est l'autre mec là-bas qui vient. Mais non, c'est dans ta tête, mec. Regarde, je monte et tu me connais pas, tu vois. Putain, c'était juste là parce que j'avais plus beaucoup d'astre, quoi. Est-ce que je peux me cacher ici? Oui, cool. Ok, il y a deux mecs ici. Là-bas, je peux y passer. Il y a qu'un seul mec, visiblement. On va aller là-bas. Oh, mais il y a un autre passage là. Mais là-bas, il y a deux types. Là, ils sont deux aussi maintenant. Ok. On va aller par là du coup. Pourquoi ils se cachent? J'ai pas tout compris. Mais si tu veux. Merde, je l'avais pas vu ce con. Mais y'a rien. Il se passe rien, mec. Je te l'ai dit. Vous avez rien entendu, les autres, derrière ou quoi? Je vous le dis direct. On va prendre son déguisement à lui. Voilà, on ressemble à rien. C'est trop cool. Du coup, lui, il passe par-dessus bord. Lui il avait quoi? Ça, ça me plaît. Ensuite tu passes par dessus bord aussi. Voilà, easy money. Déguisement, on s'en bat les couilles. Par où qu'on va du coup? On remonte ou pas? Oui, il y a un mec là, donc on va remonter. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-dedans, mis à part l'autre là-bas? On va planquer celui-là par là. À moins que... Non, c'est bon, donc on peut le planquer là-dedans tranquillou. Super. Ça se passe plutôt bien pour le moment. On n'est pas en train de tout gâcher en mode... En mode je casse tout, quoi, tout simplement. Là par contre, il y a un peu trop de monde, j'imagine. Donc on va plutôt passer par là, ça a l'air sympa. Pourquoi je peux... Ah. Toi tu vas passer par deux... Ah non, ok d'accord. Où est-ce que ça descend là? On va passer par là, ça a l'air d'être sympa. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, on revient là, on était tout à l'heure. Ok. Ah, mais de toute façon, le mec on doit ken. Non, on recommence pas à ramer, mais non. Mais non, mais nique ta mère. Ouais, je préfère. Le mec on doit ken, il est là, de toute façon. Mais d'abord, on va récupérer des preuves ou quoi? Non, c'est quoi ça? Dernière expérience de Dr. Green s'active avec un capteur de... Je ne sais pas, parce qu'il y a le truc chelou.
Donc il nous faut un capteur de je ne sais quoi. On va saboter ça de manière easy money. Ah, dites-moi que c'est une blague. Ça se présente mal. Désactiver la sécurité. Tranquille, voilà. Capteur de proximité, voilà. Voilà. Ok, c'est cool. Donc lui, il l'a réparé, c'est cool. Mais par contre, il se barre, cet enfoiré. Non, tu es un peu deg. On a ajouté le capteur de mes couilles. On va aller s'occuper de lui d'abord. Oh merde! Allez, vite! Non, putain. Toi, tu vas où? C'est toi que je dois ken, donc tu niques ta mère un peu. Ok, les autres sont juste en alerte, mais j'aurai largement pas le temps de planquer tous les corps. Donc on va changer ça. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Et ouais, je préfère ça. Mais non, c'est dans ta tête, mec. Viens et je t'encule. Je t'avais dit que j'allais t'enculer si tu venais, mec. Ok, donc là on est tranquille, plus personne ne sait rien, c'est cool. Par contre, pour planquer les corps, ça va être mignon. Oh, putain, surtout qu'il y a un connard qui arrive. C'est qui se ramène? Je ne sais pas. On va essayer de vite planquer ça. Qui c'est qui vient? Quoi, c'est l'autre de tout là-bas, là? Mais non, t'as rien vu, mec, arrête de faire genre, putain. Pourquoi tu montes? Tu vas te faire des glingues. Putain de con comme gosse. Oh, allez, on nique tout le monde, fuck la police. Par contre, tu vas rester tranquille, toi. Putain, mais il fait mal, ce bâtard. Quel fils de pute. Putain, il m'a déglingué la nuque. Oh, ta merde. Suivant. Je vous en... Il y avait pas un truc de vie là-dedans? Non, je crois pas. Fuck! Ça, c'est très le dommage. J'ai tout mis à côté, limite. Par contre, c'est quand tu veux, tu crèves, quoi. Quand même. Faut pas déconner non plus. Non! Je vais mourir, putain! Où est-ce qu'il y a de la vie, bordel de pute? Là! YOLO! Salut, ça va? Adieu? C'est dans ta tête! Mais c'est pas un jeu de mots, c'était vraiment dans ta tête. Par contre, j'ai plus de balles de ça. Quoi, passer aux choses sérieuses en mode YOLO? Rien à foutre du bruit. Salut ma gueule, comment vas-tu? Ouais, faut que je recharge aussi avec ça. Plus de munes, t'es sérieux? On va ramasser des munes quand même, non? Oh merde, y'en a là.
Ah, si, il en avait lui quand même. Par contre, t'es gentil, tu vas venir là, merci. Voilà, parce que moi je nique ton sœur un peu. File-moi tes munes, merci bien. Par contre, t'es gentil, mais. Tu fais quoi là en fait? J'ai pas compris c'était quoi ton délire, mec. Mais t'es mort. Mune, merci. Où est-ce qu'il y a eu d'autres gardes? Celui-là, mais j'ai déjà récupéré. Il y en avait un autre là que je n'ai pas récupéré. Celui-là, voilà, ça fait toujours du bien, ouais. Rechargeons. Salut mec, ça va? Comment va ta mère? Tu me diras ça plus tard. Hop. Un peu plus de mune. Non, où il est son gun à lui? Là. Ok, je ne peux pas, d'accord, c'est cool. Où est-ce qu'il reste des connards? Quelque part par là-bas. Mais de toute façon, la sortie est là-bas, donc faut juste que j'aille là-bas d'abord. Ah merde, mais je crois pas que ce soit des connards à défoncer ça. Bon, on verra. Non, lag pas, nique ta mère. On va juste les assommer ceux-là parce que voilà. Par contre, si tu cours, je te balance une mine de proximité dans la gueule. Hein. Moi, je te préviens tout de suite. Arrête de courir. Arrête tout de suite de. Putain de ta soeur là. C'est pareil pour toi, mec. Hein. Oh oh. J'ai tellement cru que ça allait marcher. Mais non! Ok, on a le truc là-bas. Ça va, ça pète pas, j'ai eu peur. On va descendre par là, c'est très bien. Il reste des mecs, je m'en bats les couilles. Il descend ça en mode YOLO swag. Super swag. La sortie est ici, c'est super. Y'a pas un déguisement d'un connard là? Là j'en avais pas planqué un là-dedans. Mais aussi, allez hop. On prend son truc comme ça, on est plus. Plus ou moins détecté, si je puis m'exprimer ainsi, et on se barre. Ouvrir la porte. Oh merde, c'est pas fini, putain. Non, je m'en bats les couilles. On charge vite, 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 vite. Rien à battre. Ok, qu'est-ce qu'il. Oh putain, il est sérieux. Connard. J'ai changé d'arme en fait pendant le truc, j'ai pas compris. Hop, bouteille, ça passe. Easy. Je ne suis pas là. Il y a un peu trop de monde ici, je trouve. Allez, j'ai l'instinct plein, autant y aller en mode YOLO. Mais non, t'as rien vu, ma gueule. Tu parles de qui là? Pas de moi, j'espère. Il y a un peu trop d'eau chaude, je crois. Hein. Je pensais pas. Putain, je dois aller là. Sérieux là? Avec tous les mecs qu'il y a là? Donc là, mon avis, vu la chaleur qu'il fait ou quoi, enfin vu la fumée qu'il y a, si je ken quelqu'un, personne ne va me voir, c'est ça? Plus ou moins quoi. Ah merde, lui il m'a vu. Ta gueule. Où sont les autres? Merde, allez! Y'a pas un point de contrôle là? Non, ok. Merde, ils sont déjà barrés les autres? Non, je sais pas. On arrête de te toucher, hein. Franchement. Ouais. Mais si, c'est une blague. Merde, c'est ta mère la blague. Salut mec, je suis pas là. Ça devrait suffire pour commencer. Mais genre ils m'ont vu, bande de tarlous. Une ventouse énorme. Tranquille toi. Mais ils font mal ces bâtards. Tu peux te la jouer comme ça avec ta vieille arme de teupu là.
Pas de soucis, ma gueule, moi aussi je l'ai. Par contre, toi tu vas te calmer un peu. Je vais t'enculer, mon gars, ça va te faire tout drôle. Salut, man. Ça va, gueule? Ça va, ma gueule! Toi, tu vas t'en prendre une dans l'anus aussi. Où sont les suivants? Y'en a pas? Ok, y'a quoi qui ici que je dois récupérer? Déguisement. Ouais, pourquoi pas. Ok, donc. Ah, mais c'est super ça! Voilà, super, nickel. Donc. T'as rien vu, mec, y'a personne, arrête de faire genre. Mais qui fait des trucs chelous et tout là, c'est bon quoi, reste tranquille quoi. Ça c'est une preuve, j'imagine. Non, pourquoi je peux rien récupérer? Parce qu'ils sont en alerte, je crois. Hein. Ça. Salut mec, ça va? Ok, ils sont neutres, est-ce que je peux récupérer ça maintenant? Non, d'accord, bon bah je sais pas trop ce que c'était. Désactiver la sécurité. Tranquille pour the money. Ah. Ah non, mais je pouvais en fait, c'est juste un bug. Comment je la récupère cette putain de trêve de merde? Allez, F! Je l'ai vu apparaître le F, arrête de faire genre. Non, mais reste tranquille quand même. Cible repérée, mais quand genre tu sais que c'est moi, connasse. Reste tranquille un peu quand même, hein, parce que ça va pas le faire. Hein. Je te le dis direct. Hein. Comment je la récupère cette putain de trêve? Non, mais sérieux? J'ai pas rêvé, je l'ai bien vu écrit, preuve. Là, preuve. Oh! Non mais vous allez me saouler les mecs à arriver comme ça là, à chaque fois là. Il est où là? Il est même pas là? Ah si. Par contre vous allez me saouler aussi à pas prendre vos balles là. Ça va encore moins bien le faire. Mais récupère là ta putain de preuve de tepu là. Ouais, la tête de moi que je vais péter un plomb. Attendez, on va se mettre comme ça peut-être. Non. Preuve. Oui mais... Il va me faire péter un plomb ce con. Oui, je veux le récupérer cette preuve. Ah! Alléluia! Putain! Bon, du coup, on va s'occuper de ces connards. Voilà, easy money. On peut pas se planquer comme ça. On va récupérer un peu de vie histoire d'être full. Histoire 2. Là, il y a absolument rien, mis à part ça, qui a l'air d'être intéressant. Donc, on va y aller. Il y a quelqu'un, il y a pas quelqu'un. Je m'en bats les couilles, je sors. C'est bon, je suis agent de nettoyage, ouais. Toi par contre tu restes tranquille. Merci. Suivant, il y a quelque chose là-dedans. Est-ce une preuve? Non, c'est des munitions. Que je n'avais visiblement pas besoin. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça passe tranquille. Et on se barre. Ouvrir la porte. C'est fini? Non. Ah putain, il y a tout ça à faire. Ça fait 23 minutes, donc je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. Et je vais reprendre juste après. Donc on se dit à la prochaine. Et ciao ciao les noobs.